Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites idées pour les petits déjeuners. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire des pouces bleus. Alors la première recette, c'est du granola. C'est super facile, c'est super sain et facile à faire. Donc là, on va avoir besoin de des amandes, des graines, ce que vous avez dans votre cuisine. Donc moi, pour ma part, j'ai mis des noisettes, des amandes, des noix et des graines. En plus, bien sûr, du flacon d'avoine. Je vais aussi rajouter du miel, de l'huile. Et à la fin, je vais rajouter des raisins secs, des abricots séchés si vous en avez. Alors pour la préparation, on va mélanger tous les ingrédients à l'exception des raisins secs et des abricots secs. On met dans une plaque qui va au four et on laisse cuire pendant 30 minutes environ, mais tout dépend de votre four. Alors une fois sorti du four, on rajoute les abricots et les raisins secs et on peut aussi rajouter du chocolat. Moi j'ai rajouté un peu de chocolat pour les enfants. Alors on peut accompagner notre granola avec du yaourt ou une salade de fruits. Alors, deuxième recette, c'est du pain perdu avec des pommes caramélisées. On va mettre du sucre à sec sur une poêle, on laisse caraméliser. On ajoute des pommes. Pour le pain perdu, donc on peut utiliser des restes de pain ou de la brioche. Troisième idée, c'est
un petit déjeuner healthy, riche en vitamines. Et pour ça, on a besoin de pain, d'avocat, des œufs brouillés, une banane, des framboises et du fromage blanc. Donc là, c'est des œufs brouillés avec un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté quelques graines, l'avocat, source de la vitamine E, du amelou et banane. Dans la dernière, j'ai mis du fromage blanc et des framboises. Bien sûr, vous pouvez choisir les fruits que vous aimez. Alors, troisième recette, c'est des cigares. Je vous laisse avec avec les ingrédients. Alors on va mélanger tous les ingrédients qu'on a ici et on va former comme une sorte de petit doigt qu'on va frire tout simplement et on pourra rajouter après du sucre glacé et ça se sert avec la confiture ou du chocolat à votre guise et bon appétit.